On est en train de libérer par-ci, par-là. Donc si vous faites comme ça, donc on a que faire le tour. On est en train de libérer de l'autre côté. Donc de temps en temps ils peuvent aussi jouer avec des visiteurs. Je parle à mes soeurs, dire ma dia. She has toi mange. La République démocratique du Congo était le seul pays au monde qui avait cette espèce de grand singe, le bonobo, et qui, à la suite de la déforestation et des activités de chasse par les braconniers, l'espèce était en train de diminuer sensiblement selon les rapports des scientifiques. Et donc nous voyons des orphelins venir pour être vendus comme animaux de compagnie. Il y a une loi au pays qui protège ces animaux parce qu'ils sont en annexe 1 de la CITES. C'est-à-dire que ce sont des animaux qui sont entièrement protégés. Personne ne peut le vendre, personne ne peut l'acheter et personne ne peut le détenir chez lui à la maison. Donc, ce qui fait que tout petit bonobo qui arrive en ville doit être saisi et acheminé ici au sanctuaire. Donc, dès qu'il arrive ici, nous faisons d'abord un travail de réhabilitation. C'est-à-dire, ce petit a perdu sa mère, qui lui donne tout, l'affection, la protection, la nourriture. Il arrive et il a vraiment de sérieux problèmes, parce qu'en ce moment-là, il n'y a personne qui s'occupe de ça. Et les petits bonobos sont incapables de se débrouiller tout seuls. Ce qui fait que quand ils arrivent ici chez nous, on leur trouve des personnes qui remplacent leur maman immédiatement. L'agressivité n'a pas de place dans le groupe des bonobos et leur devise c'est faire l'amour, pas la guerre. Parce qu'on a vu tout le temps, chaque fois qu'il naissait une petite tension dans le groupe, le bonobo pensait plutôt à des actes ou simulations sexuelles qu'à se battre. Et donc ces actes voulaient tout simplement dire nous ne pouvons pas nous battre, nous pouvons négocier, nous pouvons peser notre tension à travers ces actes sexuels. Bonjour. Bonjour, tata. Bonjour. Bonjour, tata.